Bonsoir à tous et merci d'être avec nous en ce lundi soir sur 01net TV pour un rendez-vous exceptionnel. Et oui, c'est ce soir, jour de printemps, qu'a décidé Apple de nous présenter toutes ces nouveautés de printemps, justement, avec peut-être un iPhone, peut-être un iPad, peut-être d'autres nouveautés. Jérôme Colombin, bonsoir. Bonsoir François Sorel, bonsoir à tous. Live exceptionnel, comme chaque fois, bien entendu, chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important sur la planète high-tech. Exactement. Que vous soyez fan d'Apple ou tout simplement fan de high-tech, ça va forcément vous intéresser ce qui va se passer ce soir. Oui, alors vous le savez, hein, c'est un rendez-vous... assez, on va dire, inhabituel de la part d'Apple. C'est vrai qu'il y a plusieurs keynotes dans l'année, mais celle-ci, avec un nouvel iPhone au printemps, c'est rarissime. Ça remonte à des années. Hein, que... Alors, François, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Hein. Nouvel iPhone, tu t'avances là. Visiblement, tout a transpiré sur le web. On va en parler d'ailleurs. Hein, mais bon, si effectivement Apple nous présente un iPhone ce soir, ça serait quand même une première parce qu'en général, c'est plutôt un événement qui est réservé à la rentrée. Donc, évidemment, on ne va pas s'attendre à un iPhone 7 là, hein, ce soir, on vous le dit tout de suite. Ça va être sans doute une mise à jour de l'iPhone 5, mais malgré tout, ça va être intéressant. Et puis, sans doute aussi d'autres nouveautés. Alors, bien sûr, on est en direct. Merci de nous suivre sur 01nettv.com, sur YouTube, sur Dailymotion. Vous pouvez réagir dès maintenant. Via Twitter avec le hashtag 01live. Hein, comme d'habitude, sur Twitter, hashtag 01live, vos commentaires, vos réactions, vos questions aussi, puisque nous ne serons pas seuls tout au long de la soirée. Nous avons d'ores et déjà auprès de nous un échantillon de ce qui se fait de mieux, expert high-tech sur la place de France. On a pris le meilleur, n'ayons pas peur des mots. Tout ça. Et voilà le résultat, les amis. Nous avons Christopher Siminelli qui est là. Salut Jérôme, salut François, salut Christopher, salut Jean-Sébastien. Ah, qu'on ne voit pas encore. Tout à l'heure, il avait la chemise ouverte, Christopher. Ah oui, j'ai un peu de respect pour les gens qui nous regardent. Voilà, là, c'est vrai, plus, on n'est pas à la plage. C'est très bien. Et puis Jean-Sébastien Zanqui, salut. Bonsoir à tous. Tous deux rédacteurs, donc membres de la rédaction de 01net.com. Et vous êtes avec nous tout au long de cette soirée pour commenter toutes ces annonces. Voilà, on va analyser ensemble ce qui va se passer. Vous savez que ce genre d'événement, on commente ça un peu comme un match de foot. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on a les images et on vous dit. Oh là 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 là, attention, attention, voilà les prix. Oh là là, le but de Tim Cook avec sa vidéo 4K. Oui, aïe, aïe. C'est beau, c'est beau. Et puis bien sûr, enfin, l'avantage qu'il y a par rapport à un match de foot, c'est que, on le disait tout à l'heure, vous pouvez interagir, poser vos questions aussi via le hashtag 01live sur Twitter. Alors, pour tout vous dire, on a pris un petit peu d'avance, oui, hein, puisque voilà, c'était pour se mettre en route, quoi. Il est à peine 17h55 et ça doit démarrer d'ici environ 5 minutes en direct des États-Unis. Ça se passe où, François, ce soir? Ça se passe à Cupertino. C'est-à-dire au siège d'Apple. Exactement. Ça aussi, tiens, c'est une petite info. En général, Apple, lorsqu'il présente des nouveautés dans ses locaux à Cupertino, ce sont des petites keynotes. Voilà. C'est toujours des produits intermédiaires. Ouais, c'est pas les flagships, quoi. Voilà, c'est pas le flagship. Vous savez qu'à la rentrée. Mais c'est quand même des produits intéressants parce bien que sûr, l'année dernière, sûr. C'était la Watch. C'était l'Apple Watch, mais c'était pas Cupertino. Je pense que c'était à San Francisco même. Oui. À ce moment-là. Voilà, donc on va bien voir. Écoutez, on en aura sans doute pour notre argent. C'est peut-être un clin d'œil parce que le nouveau siège d'Apple devrait ouvrir ses portes en 2016, non, normalement dans le courant de l'année. Alors peut-être que c'est la dernière conférence au siège historique, entre guillemets, d'Apple, peut-être. Il y avait des images envoyées qui mettaient le toit sur le nouveau siège circulaire. Cette énorme soucoupe volante, là. C'est un truc incroyable, tout en verre. Enfin, c'est vraiment. Ouais, ça a l'air super. Ils font venir des panneaux de verre, je crois, de 9 mètres carrés d'Allemagne. Vous vous rendez compte, d'Allemagne, ils font venir ça. Parce qu'évidemment. Enfin, l'Allemagne, c'est pas non plus la planète Mars, l'Allemagne. Non, mais quand tu es à Cupertino, des panneaux de 9 mètres carrés, je sais pas si tu te rends compte, 9 mètres carrés, tu peux pas y aller avec ton estafette, quoi. C'est sûr. Mais c'est donc, Apple. Il y a une usine en Allemagne qui arrive à façonner le verre comme Apple le veut. Il n'y a qu'eux qui savent faire ça, quoi. Donc, voilà. Ça va être magnifique, ce siège. Ça va être impressionnant. Sans doute un des plus beaux sièges de société de la Silicon Valley. Hein. Je pense que Tim Cook aura un futuriste. Je pense. Enfin, c'est normal. Il va être bien. Et puis ce sera au même endroit, hein. Ce sera localisé. C'est à Cupertino, c'est sur la ville de Cupertino. Tout à fait. Je crois que Steve Jobs était allé à l'époque défendre le projet devant le conseil municipal. Oui, c'est ça. C'était une des dernières apparitions publiques. C'était les dernières semaines de vie de Steve Jobs, c'était je crois en juin, et il nous a quittés en octobre. Octobre. Hein. Voilà, c'était en 2011 déjà. On dit que le temps passe vite. Bon, pour tout vous dire, il est -1.
Enfin, un petit peu moins. Moins deux. Mais ça ne va pas tarder à arriver. Je pense que bientôt nous aurons les premières images de cette keynote qui est retransmise sur le site d'Apple. Vous pouvez y aller, mais évidemment c'est mieux avec nous puisque c'est moins drôle. Vous pourrez écouter tout ce qu'on va dire. Alors il y aura des choses sérieuses et des choses un petit peu moins sérieuses. Vous le savez. Tu te chargeras des choses pas sérieuses comme d'habitude. Sûr, comme d'habitude. Hein, on compte cela sur toi. Dit, si je puis me permettre, Jérôme, il y a une petite nouveauté dans ce rendez-vous live. Ah, justement. Grosse nouveauté. Grosse nouveauté. Que va-t-il nous annoncer? Bah écoute, tu sais quoi, Je te sens d'humeur joyeuse, voire généreuse. Mais voilà, c'est ça, hein, c'est-à-dire que... Tu as envie de faire le bien autour de toi, François. Exactement, ouais. j'ai envie de vous, comment dire, de vous faire plaisir. Eh ouais. On a envie de vous faire plaisir. Comme ça. Et on va vous offrir des cadeaux ce soir et tout au long de la semaine sur 01net TV et 01net.com. Alors évidemment, on va parler d'iPhone, on va parler d'iPad, mais il n'y a pas qu'Apple dans la vie. Ah non. Il y a d'autres constructeurs qui font des tablettes et qui, parfois, peuvent nous surprendre de par l'originalité de ces produits. Parce que, bah, voilà, franchement, il y a... alors, ça, parfois, ça peut être l'écran, parfois, ça peut être la connectivité, parfois, ça peut être les services. Et on a eu un coup de cœur, nous, ici, à la rédaction de ZeroNet, sur une tablette qu'on va vous offrir ce soir, qui est une tablette sous Android. Il s'agit de la tablette Lenovo que vous êtes en train de découvrir ici. Alors, dis-nous tout sur cette tablette. Alors... c'est une tablette qui a, regardez, un pico-projecteur intégré. Tadam. C'est la seule tablette qui existe qui a cette technologie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez un petit projecteur qui vous permet, vous faites un petit peu la lumière, vous baissez la lumière par exemple dans une pièce, dans une chambre, dans un salon, etc. Vous, par exemple, vous êtes abonné à Netflix, vous téléchargez l'appli Netflix, puisque évidemment c'est sous Android, donc il n'y a pas de problème, vous avez accès à tout. Vous téléchargez l'appli, vous vous abonnez et vous allez pouvoir projeter, par exemple, toutes vos séries, tous vos films directement via le Pico projecteur. Vous, par exemple, vous êtes abonné à Netflix, vous téléchargez l'appli Netflix, puisque évidemment c'est sous Android, donc il n'y a pas de problème, vous avez accès à tout. Vous téléchargez l'appli, vous vous abonnez et vous allez pouvoir projeter, par exemple, toutes vos séries, tous vos films directement via le Pico projecteur. Et on arrive à avoir une diagonale d'image qui est, somme toute, assez raisonnable pour se regarder un film ou une série et avoir l'ambiance cinéma. Ouais, c'est vrai. Et puis quand on l'avait reçu au labo de 01net, on se dit, ouais, bon, c'est quoi une tablette avec un Pico projecteur, c'est quoi ce gadget? Et on a vraiment été surpris, quoi. C'est en ça que c'est intéressant, c'est pas juste un petit gadget juste pour faire la blague. On peut vraiment l'utiliser comme Pico projecteur. Ouais, et c'est notre coup de cœur ce soir. On voulait non seulement vous en faire part, et puis en plus vous en offrir quelques exemplaires. La bonne nouvelle, c'est que durant ce live, vous allez pouvoir en remporter une. Voilà. Il y en a une pour vous. C'est simple, il faut et jouer moi, avec c'est nous. Ça non. Tu me l'offres à moi? Non. Toi, on verra peut-être, si t'es gentil. mais en tout cas, si vous voulez tenter votre chance, il suffit d'aller sur 01net.com, de cliquer sur le lien. Il y a un lien bien explicite où on vous explique qu'il y a un concours. Et là, vous répondez à la question qu'on vous pose. Franchement, c'est pas bien compliqué, hein, Christopher. Non, hein, non. Là, on vient d'en parler. C'est vraiment la particularité de cette tablette donc de Lenovo, la Yoga. Hein, c'est son pico-projecteur. Allez-y, répondez à la question. Si vous êtes tiré au sort, on aura l'occasion de donner le nom du gagnant tout à l'heure. Hein, ouais, à la fin de l'émission. Live. Je procéderai au tirage au sort vers en direct. Une heure, un truc comme ça. Non, mais bien avant. J'espère que non. Ah, alors, ça commence, on nous dit. Alors, sachez que ce live est réalisé par Jean-David Duhart, Pierre Thieulin et Thomas Remilleret. Je sais que tu as toujours du mal à prononcer son nom. C'est vrai. Ah, c'est vrai, il a un nom à coucher dehors, mais on n'y peut rien. Non, non, qu'est-ce en que plus, tu pas du tout. Ça Thomas Remilleret, c'est facile à dire. Voilà. Désolé, Thomas. Thomas Remilleret qui, de temps en temps, viendra nous voir. Il se mettra aux côtés de Jean-Sébastien pour nous dire un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant cette soirée. Comment vous réagissez, si les annonces vous plaisent ou pas. Voilà, donc bon, Thomas, ça sera son baptême du feu. On a tout dit sur la tablette, hein, parce que leur grosse excitation sur Twitter. Tout le monde la veut, cette tablette. Ben oui. Et on même toi. Comment on fait pour gagner, évidemment. Alors, écoutez bien, pour remporter cette tablette, bon, vous restez avec nous quand même, hein, mais vous allez sur
www.zeronet.com, d'accord ? Vous cliquez sur le lien du concours et vous répondez à la question, vous laissez vos coordonnées et automatiquement, vous participerez au tirage au sort. Christopher ? Oui, c'est ça. Alors le lien n'est pas encore sur la home de 01net, il va arriver, mais je vais le poster sur Twitter, donc rendez-vous sur le fil Twitter de 01net pour avoir le lien. Voilà, 01net, et moi je le retweeter sur 01net. Voilà, exactement. Hein. Dans quelques minutes, il va se retrouver sur la home de 01net. Voilà, mais vous avez, on a tout le temps, bien sûr, pour vous faire remporter cette tablette. Le live a commencé, les amis. Oui. Jean-David qui Tim réalise Cook ce speaking. Soir. C'est un peu notre Mariti Gilbert Carpentier à lui tout seul, hein, Jean-David. Et donc Mariti Gilbert, plus personne sait qui c'est, je te signale. Ah, c'est vrai, peut-être. À part toi et moi. Oui, c'est vrai. Alors, on peut dire quoi, le Georges Lucas, ah, Jean-Sébastien aussi, ça lui parle. Ouais. Voilà. Tiens, Tim Cook. Tiens, on s'en doutait pas une seule seconde. Voilà, ouais. Tim Cook sur scène, mesdames, messieurs. Joli pull, belle petite chemise, la classe, comme d'habitude. Voilà. Donc si on peut avoir un petit peu le son, Thomas, ouais. Pour qu'on voit un petit peu de quoi on parle. Vous savez qu'en général, bon, là, en fait, le début des keynotes d'Apple, c'est toujours la même chose. Hein. Oui. We are the best, we are the meilleur. Peut-être que là, ils vont parler de sécurité. Et oui, hein. A vendu beaucoup d'iPhone. Oui, mais on peut peut-être s'attendre aussi, pour cette keynote, à un message fort de la part de Tim Cook concernant la sécurité. Parce que tu sais que, évidemment, Apple est malmené quand même en ce moment, hein, Jean-Sébastien, on peut le dire, avec cette histoire de cryptage de l'iPhone. Le FBI essaie justement de convaincre Apple de trouver une porte dérobée pour pouvoir décrypter tous les téléphones qui pourraient servir lors d'une enquête. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué. Et on sait qu'Apple ne veut pas. Apple ne veut pas. C'est ça, hein ? Ouais, tout à fait. Et en plus, c'est intéressant le timing parce que ce soir, c'est la keynote, mais demain, c'est la confrontation entre Apple et le FBI devant la Cour de justice californienne. Donc c'est le moment ou jamais pour Tim Cook de il est en train d'en parler justement mettre ça en avant et défendre sa position. Il a fait une interview dans Time, une longue interview la semaine dernière, où vraiment il bataillait, il disait, il réaffirmait la façon dont Apple veut protéger ce genre de données personnelles. Donc c'est certainement le moment pour lui aussi de remettre ça encore. Et puis là, il a une fenêtre de tir, enfin en tout cas une fenêtre de projection, là, d'exposition médiatique, exposition parfaite ce soir pour faire ça, qui est assez forte. Ils peuvent véritablement expliquer ses arguments. C'est un sujet très important, peut-être capital dans l'époque numérique dans laquelle nous vivons, oui. Jean-Sébastien, parce que vraiment, comment un grand constructeur comme Apple, mais finalement ça pourrait être Google, ça pourrait être Microsoft, ça pourrait être Samsung, comment voilà, un constructeur de produits high-tech aussi répandu qu'un smartphone aujourd'hui doit-il réagir par rapport justement aux demandes du FBI et des autorités de n'importe quel pays d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas évident pour Apple, parce que c'est vrai qu'il lutte un petit peu aussi contre l'opinion publique américaine qui est assez partagée sur ce point, parce que certains se disent bon, quand même, il faudrait qu'Apple puisse collaborer un peu plus avec les autorités dans ce genre de cas, et c'est pas forcément évident pour Apple de vraiment défendre cette position-là, même si on comprend que en tant qu'utilisateur, j'imagine en tout cas que la majorité des utilisateurs veulent voir leurs données personnelles quand même gardées privées dans un coffre-fort, on va dire. Mais voilà, mais que se passe-t-il quand on doit, quand on trouve le téléphone portable d'un terroriste qui est un iPhone et qui est verrouillé. Voilà, c'est le débat en fait. Est-ce qu'on doit arriver à le traquer, cet iPhone, ou est-ce que, c'est comme ça, ce smartphone est verrouillé. On ne peut pas accéder aux données. Oui, c'est ça. Je mets mon grain de sel. Bien parce sûr. Que le débat, c'est que pour beaucoup de gens, c'est est-ce qu'Apple doit aider les enquêteurs lorsqu'il y a un cas précis. Et là, en toute logique, on serait tenté de penser oui. Mmh. C'est logique. Mais oui, bien sûr. Surtout pour, par exemple, régler, en tout cas, élucider des enquêtes, des bien choses sûr. Comme ça. Hein. Voilà. Mais en fait, Apple dit, et c'est là où il y a quand même encore une petite zone de flou, que si l'aide qu'on leur demande aujourd'hui, c'est vraiment de craquer leur propre iPhone, et donc c'est ouvrir la boîte de Pandore et mettre en danger la confidentialité des données de tous les utilisateurs d'iPhone sur le long terme, de manière durable. Et ça, c'est cette position qu'ils essayent de défendre, qui n'est pas évidente à faire passer quand même. Puis c'est compliqué, parce que quand on met en place un backdoor sur un téléphone, les autorités peuvent s'en servir, mais n'importe qui d'autre peut s'en servir. Bien sûr, des personnes mal intentionnées pourraient aussi. Donc c'est quand même un double tranchant comme décision. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à trancher. Enfin, c'est une vraie question philosophique et politique, je pense, actuellement.
actuellement, quoi. C'est très très intéressant de. Voilà, 18h07, hein, on est en direct sur Zéro Net TV si vous venez nous rejoindre pour vivre cette grande soirée, cette keynote Apple. Tim Cook a commencé son discours là-dessus. On est déjà passé à autre chose avec une demoiselle qui est en train de parler de recyclage de téléphone, visiblement. Ouais, sur tout ce qui est environnement, on sait qu'Apple est très engagé là-dessus depuis maintenant quelques années. C'était un peu mauvais élève il y a une dizaine d'années. Ouais, on s'en souvient. Hein. Greenpeace, le classement de Greenpeace, ouais, était catastrophique. Très loin. Ouais, ouais. Ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus, sur le recyclage de téléphone, mais aussi sur tout ce qui est usine, data center, tout ce qui est, on va dire, fourniture d'électricité pour ces lieux-là, ces data centers. Et maintenant, Apple a 100% de l'énergie qu'il consomme vient d'énergie renouvelable, en tout cas sur tout ce qui est data center. Pas sur les usines, parce que ces usines-là sont en Chine, sont et puis bon, ils sont traites, elles ne sont pas voilà, à lui. C'est donc pas, même si j'imagine qu'ils doivent avoir certains cahiers des charges pour leur sous-traitants, mais on n'en est pas là. Donc à chaque fois maintenant, à chaque keynote, il y a un point qui est fait là-dessus assez important pour justement savoir où en est Apple dans tout ce qui est environnement. Voilà, donc bon, alors évidemment, en plus c'est un sujet politiquement correct, hein, oui. Le fait de parler d'écologie, de bâtiments, on va dire, basse consommation énergétique, etc. Enfin voilà. Oui, c'est tout bénéfique pour eux d'en parler, c'est bien évidemment, bien évidemment. Alors qu'à mon avis, je pense qu'il y a pas mal d'iPhone qui se baladent dans la nature et qui ne sont pas forcément recyclés. Il faut inciter les utilisateurs à ramener leurs iPhones dans un Apple Store dans un système de recyclage. Et je crois qu'Apple donne de l'argent, non, si on ramène un vieil iPhone. Si, en cas de rachat, si je ne dis pas de bêtises, d'un nouvel iPhone, on vous donne un bon d'achat. Alors c'est rien, je crois que c'est 30 euros ou 50 euros. Un peu plus, mais pas. En tout cas, c'est moins que si on va le revendre d'occasion, par exemple, à quelqu'un. Ça, c'est certain. Il faut savoir que dans un smartphone, en fait, il y a plein de composants qui ont de la valeur et qui peuvent être recyclés. Tout à fait. Mais même le smartphone lui-même peut être recyclé. Tout à fait. Il y a beaucoup de sites, même en France, qui permettent de revendre son smartphone à ce site-là, par exemple. Et eux, les reconditionnent et vont les vendre dans des pays en voie de développement, par exemple, où il y a peut-être moins de demandes, même certainement, sur des iPhones haut de gamme, donc sur des modèles comme ça, un peu plus vieillissants. Bah, c'est tout à fait utile pour eux. Hashtag Zéro Live, nous sommes en direct ce soir sur Twitter. N'hésitez pas à réagir. Alors vous êtes très nombreux à nous dire que vous êtes très contents d'avoir un cadeau à gagner dans ce live. Bah, on est très heureux. On va essayer de renouveler cette opération régulièrement pour que tout le monde puisse avoir un petit cadeau. Là donc c'est une tablette Lenovo que nous vous offrons, avec une particularité de cette tablette, c'est qu'elle intègre un Pico projecteur. Voilà, vous allez pouvoir projeter tout ce que vous voyez sur l'écran qui est Quad HD en plus, hein, de la tablette, hein, qui est déjà un très bon écran. Vous baissez un petit peu la lumière et vous pouvez donc projeter du web, YouTube. Si vous l'aviez là, vous pourriez projeter ce live directement sur un mur. C'est plutôt sympa, on aime beaucoup ce produit, c'est notre coup de cœur. Comme quoi, voilà, hein, l'innovation elle est partout, hein, ça, c'est plutôt sympa. Et pour remporter cette tablette, donc, il faut aller sur zeronet.com. On le disait tout à l'heure, il y a un petit concours qui vous attend, hein, avec une petite question, enfin voilà, QCM en plus, c'est vraiment pas compliqué. Et vous tentez votre chance. Ouais, en plus la question extrêmement simple. Hein. Ouais. C'est la couleur de la cravate de François ? Oui, qui est transparente. Regardez. Elle est... C'est une air cravate. Qui me gêne là, elle est transparente. On est toujours, si on peut revenir sur cette keynote. Donc c'est Lisa Jackson qui est pour l'instant responsable parle beaucoup, de l'écologie chez Apple. Toutes les questions d'environnement. D'énergie renouvelable. Aussi sur les emballages, je vois Apple annonce que 99% des emballages d'iPhone sont désormais recyclables. Ah, en plus. Entièrement. Ouais. Donc, très bien. Mais ils l'étaient pas avant, c'est du carton. Ah oui, il y a du plastique. Ils sont en papier recyclé. Ah d'accord. Ah, oui. Ah ils sont faits à partir de produits recyclés. Tout à fait. Jean-Sébastien, je te propose de. Voilà, vous voyez, il y a Thomas qui rentre dans le champ là. C'est Thomas, c'est notre journaliste fraîchement arrivé sur Zéronet TV, qui s'occupe aussi des réseaux sociaux. Hein, lorsque vous voyez des petits tweets sur Zéronet TV. C'est lui que vous lisez. Salut Thomas. Bonsoir. Alors Thomas, première chose, il faut que tu rapproches ton téléphone.
ton micro, voilà, de la bouche, pour qu'on t'entende bien. Voilà. Et bah, tu vas nous faire un premier point sur ce qui se passe sur YouTube avec le hashtag Zéro Alive. Tous ceux qui sont avec nous nous laissent des messages depuis maintenant un petit quart d'heure. Ouais, ça tweet énormément hein, sur le hashtag Zéro Alive. Et première nouvelle, il y en a à qui Power manque. Hein, on il y en a un qui nous dit un Power remplacé par une keynote d'Apple, mais où s'en va le monde? Alors on rassure, Power reviendra la Power, semaine prochaine, lundi ouais. mars. Voilà, on a profité, bah justement comme à 18h on avait ce live, on retrouvera Power et Pepe Garcia la semaine prochaine. Pepe, je sais que tu nous regardes, on te fait un bisou. Et puis il y a d'autres déçus parce qu'il n'y a pas de chips ce soir sur le plateau. Ah, pour l'instant il n'y a pas de chips. Et oui, Benoît Giraudon, ouais, c'est pas fini. Des chips ce soir? Il n'y en a pas. Eh oui, mais pour l'instant, il n'y en a pas. C'est pas toi qui devais les apporter, Christopher? Non, il y a un nouveau service. Jean-Sébastien qui devait les apporter. Qui de nous livrer des chips. Chips Express. Ah ouais. C'est pas mal. Chipsexpress.com. Livraison de chips par coursier. Bonjour, j'écoute. Quoi d'autre? Enfin, on a quand même du lourd, c'est Leaf. Donc je sais pas si vous connaissez Leaf qui dessine. Oui, Leaf. Souvent des petites scénettes en fait sur Zéro Live qui nous a dessiné, enfin qui vous a dessiné d'ailleurs, ouais. Et qui dit aurais-je plus de chances de gagner si je les dessine en maillot de bain? Donc, en quasi tenue d'Adam et Ève. Oh mon Dieu. Ah bon, c'est sur le hashtag Zéro Live ça? Le hashtag Zéro Live. Ah, j'ai pas vu ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de tweets, c'est que c'est difficile de parler. Vite, là, ah bah oui, ça y est, je le vois. Ah non, mais j'en vois un autre. Je vois un autre petit dessin de Leaf concernant la Watch 2. On va regarder ça tranquillement. On le remercie d'ailleurs parce que depuis quelques semaines, Leaf nous envoie des jolis dessins très humoristiques. Il est très doué, ce garçon. Mmh. Alors, faut pas nous mettre en maillot de bain, enfin, sinon on va se retrouver entêté. On envie un peu Speed Dan Easy, qui lui est aux États-Unis et suit en direct la keynote. Et bien voilà. Mais nous aussi. Nous, on est à Paris. Et vous voilà, aussi. C'est comme ça. Mieux placé que nous, quoi. Très bien, Thomas. N'hésite pas. Tu viens quand tu veux. Hein. Dès que tu vois qu'il y a des tendances, dès qu'il y a des questions, voilà, des petits commentaires, tu viens nous voir ici même sur le plateau de Zéro Net TV. Toujours cette dame hein, qui nous dit que voilà, le recyclage est génial chez Apple. J'espère qu'elle recycle chez elle parce que franchement, avec tout ce qu'elle nous raconte depuis tout à l'heure, elle a intérêt. Elle doit être exemplaire. Ah, j'espère bien, j'espère. Elle doit avoir 18 poubelles chez elle, tu sais. Oui, je fais le tri. Non, le papier rouge, c'est là. Non, le pot yaourt, c'est pas là, c'est dans celui-ci. Fais attention. Allez, auto-free, on présente, hein, Mademoiselle Jackson. Tim Cook est remonté sur scène. Voilà. Ah, ils vont parler de santé. Connecté. With the launch of Research Kit last year, we've seen that Apple technology can have a positive impact. Alors la santé, où est-ce qu'on est Apple dans la santé, Jean-Sébastien? Alors il y a toujours le Health Kit, hein, c'est alors, ça? Tout à fait. Ouais. Il y a alors à la fois pour les utilisateurs de l'application qui existe sur les iPhones, qui permet de regrouper en fait toutes ces données de santé qu'on peut collecter avec l'iPhone et avec d'autres objets connectés. Ouais. Et puis il y a ce Research Kit dont ils sont en train de parler là, qui est vraiment destiné là pour le coup aux scientifiques, ouais, aux recherches médicales. Donc là c'est très très intéressant parce que les scientifiques du coup peuvent avoir accès à des bases de données vraiment incroyables en termes de nombre de patients, ce qu'ils n'avaient pas accès avant. Il fallait qu'ils fassent des études et des recherches poussées sur un grand panel de cobayes, on va dire. Là, ils ont des données maintenant. Par exemple, on voit, ils parlent des diabétiques. Les diabétiques peuvent avoir des infos sur leur état de santé, oui. Et eux, en fonction de ce qu'ils veulent rechercher comme données, peuvent aller piocher dans cette base de données, tout en étant évidemment une base de données anonymisée, c'est-à-dire ouais, que c'est les résultats data, hein, sont là. Après, ils ne savent pas du tout à qui ça appartient, et effectivement, les gens qui participent sont prévenus hein, au début, et on leur dit vos données peuvent être envoyées à ces scientifiques, mais en tout cas, ces données-là seront anonymes. Donc c'est assez intéressant pour eux, et il y a pas mal d'études scientifiques qui commencent à l'utiliser et trouver ça intéressant. Ça peut leur faire gagner pas mal de temps. Ça leur évite voilà, une... C'est une grosse, grosse tendance, notamment dans la Silicon Valley. Hein, tout oui, ce qui est big data, bah c'est ça, et c'est big data, hein, analyse de données. T'es vraiment synchronisé avec le live puisqu'il parle justement d'une étude sur la maladie de Parkinson qui a pu aboutir grâce aux voilà, données de, ouais, de iHealth. Ouais, mais c'est intéressant parce que voilà, on est au-delà du gadget, on ah est oui, au-delà oui, du côté ah oui, un peu fun qui nous plaît hein, malgré tout. Mais, et on s'aperçoit vraiment de l'utilité que peuvent avoir aujourd'hui ces technologies, ces outils, ces devices, etc.
En tout cas, c'est un début de keynote assez grave, hein, enfin assez sérieux. Oui, c'est très sérieux. Très corporate. C'est pas la fiesta, quoi. On commence par la sécurité de la FBI, l'environnement. Là, on parle de médecine. Voilà, quoi. C'est fini de rigoler hein, chez Apple. Non, mais même après, bon. C'est vrai qu'on... c'est pas hyper spectaculaire, quoi. Voilà, on aurait peut-être pu commencer par l'iPhone, enfin une nouveauté, et puis après enchaîner avec des sujets un petit peu plus graves. Mais bon, ils savent aussi que c'est au début des keynotes qu'ils ont le plus l'attention des spectateurs. Hein, donc, c'est là où ils vont perdre le plus rapidement aussi, si ça dure trop longtemps, quoi. C'est ça le souci. Non, on va vite arriver dans le vif du sujet, je pense. Ouais, mais je trouve ça c'est intéressant. Quoi. Ouais, non, c'est évidemment, c'est intéressant. C'est simplement... En termes de stratégie de com, c'est ça se respecte. Hein. Et puis c'est des thématiques qu'ils abordent régulièrement, on va dire, dans leur keynote. Mais plus dans dans la WWDC en général. Ouais, c'est vrai. Et il n'y a pas encore eu de point sur les chiffres de vente, par exemple. Non. Souvent, on a ce genre de choses. On va voir s'il y en a un. C'est vrai que dernièrement, les chiffres de vente des iPhones étaient un peu plus stables et pas forcément en hausse incroyable par rapport à d'autres trimestres. Donc, est-ce qu'ils vont l'aborder ou pas? On va voir. C'est pas encore ce soir qu'on va avoir des chiffres de vente de l'Apple Watch, à mon avis. Je pense pas, non. L'Apple Watch, elle se vend ou pas? Vous vous rappelez de l'Apple Watch? Ah ouais, ce truc qu'Apple avait lancé. Savez, c'était en 2014. Je gêne un peu. Oh, vous en avez... oh, attendez, vous êtes deux à voir l'Apple Watch quand même. Là. Nous, on n'a pas lâché le morceau. Vous la regardez jamais. Mais... Voilà, si on la regarde tous les jours. Ouais. Non, il y a des gens qui ont les Apple Watch quand même. Non, il y a 6 mois, tu étais comme ça tout le temps. Après, les estimations des cabinets de vente et d'analyse, c'est la vente connectée la plus vendue. Bien sûr. Ouais, mais ça dure. Bon, ça sur un marché qui est encore. Non, mais c'est un peu normal que Apple soit le. En tout cas. Ah bah ils sont arrivés après. Hein. Samsung avait sorti les siennes avant. Force de frappe, etc. Tu plaisantes ou quoi? C'est Apple. Mais avec des prix qui sont. Pas donné. Oui. Mais c'est sans doute. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Il y a la Gear S qui est arrivée, qui est vraiment très bien, mais c'est sans doute l'une des meilleures montres connectées du moment malgré tout. Après, avec tous les reproches qu'on peut lui faire. Il y a des défauts, notamment en termes de lenteur, je trouve. Voilà. Mais sur l'interface, c'est clair que avec la Gear S, il y a deux qui est très bien. Mais effectivement, c'est une interface qui est quand même assez aboutie par rapport à d'autres modèles. La Gear S 2 qui va bientôt être compatible iPhone. Oui. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que c'était une montre qui était exclusivement réservée au monde Android, et donc là bientôt il y aura une mise à jour, on pourra télécharger une appli sur son iPhone pour faire fonctionner cette Gear S2. Ça c'est cool parce que c'est vraiment une très bonne montre. Oui, parce que c'est une montre qui est sous Tizen, qui est l'OS de Samsung, donc ils ont la main dessus, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ça c'est intéressant. On parlait tout à l'heure de 1 milliard de produits Apple actuellement en circulation, donc forcément quand on construit une montre connectée, ce serait dommage de se couper de cet énorme écosystème. Bien sûr. C'est même une obligation, quoi. Quand on la critique, c'est pas tant les fonctions de la montre qu'on critique, c'est plus les usages qui ne sont pas, qui n'ont pas encore vraiment réussi à s'imposer. C'est sûr que bon, lire les news ou des choses comme ça sur la montre, c'est moyen. En revanche, j'en démords pas. Les notifications et pour l'activité sportive, c'est un super outil, la montre connectée. La montre connectée dans son ensemble. Oui, c'est clair. N'est-ce pas, Christopher? Oui. on pourrait en faire 2 heures sur l'Apple Watch, ça sans aucun problème. Il y a Nook Prod qui nous dit: je viens d'arriver, j'ai loupé quelque chose. Comment dire tout va bien. En termes de produits, non. Voilà, on peut résumer comme ça. À part Apple et le FBI, à part Apple et l'environnement et la médecine, non, tu n'as rien loupé. La santé connectée. La santé connectée et le big data appliqué à la santé. Voilà, pour l'instant, on en est là, 18h20. Cette keynote a commencé depuis une vingtaine de minutes. Et vous êtes en direct sur ZeroNet TV. On salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bon, qu'est-ce qu'on attend en fait ce soir? Qu'est-ce qu'on attend? écoute, on attend plein de choses. On attend. Si on rappelait un petit peu ce qu'on attend, ce qu'on croit savoir d'ores et déjà. Est-ce qu'on aura donc cet iPhone qu'il ne faut surtout pas baptiser low cost, mais qui serait quand même... Un iPhone low cost, moi ça me fait rire quand même. Hein, moi, je pense pas qu'il soit low cost du tout. On dit une Ferrari low cost, en fait, si vous voulez. Ce serait un iPhone d'entrée de gamme. Alors ça serait un iPhone d'entrée de gamme parce que c'est un écran 4 pouces, donc il serait le moins cher des iPhones. Mais on peut peut-être le présenter comme ça. Ils n'ont pas trop l'habitude de faire du low cost et d'entrée de gamme. On se souvient de l'iPhone 5C où les rumeurs disaient c'est l'iPhone low cost. Bon, il est en plastique, mais il n'était pas donné quand même. Donc là, s'ils font un iPhone
d'après les dernières images qu'on a vues ou rumeurs, qui a un look d'iPhone 5S en métal, etc. Bon, ça sera certainement moins cher puisque c'est un 4 pouces, mais de là à dire low cost, ça m'étonnerait qu'on soit sous la barre des $500. Bah, de toute façon, le low cost pour Apple, si ça existe, voilà, c'est minimum $500. Oui, je pense pas que ce soit. On est d'accord. En dessous, ça n'existe pas. Mais moi, je pense pas. Enfin, on verra. On peut lancer les paris si vous voulez, hein, concernant cet iPhone 5, remis au goût du jour. Je pense qu'on va commencer. Allez, moi, je dis, vous savez quoi, 5,99. Allez. Vous voulez des prix ? Ouais, je suis assez d'accord. Vous voulez des prix, les amis ? Oui. Moi, je balance 599. Ouais, je suis assez d'accord, d'autant qu'il aurait a priori le même pros que l'iPhone 6S, le même capteur photo. Donc moi, je le vois plutôt comme un iPhone plus petit, plus compact. Plus petit, parce que... Mais avec les dernières technologies. On oublie qu'il y a encore beaucoup de personnes qui veulent pas de grands écrans, et 4 pouces, oui, c'est amusant, suffisent d'ailleurs, parce que c'est un marché qui décolle, la phablette, mais qui reste minoritaire. Et je crois que c'est un tiers à peu près des utilisateurs qui s'orientent vers les grands écrans. Et en revanche, les smartphones de 4-5 pouces continuent d'occuper plus de 60% du marché. Ouais. Donc c'est effectivement, c'est là qu'il faut concentrer tous les efforts. Ouais. Bon, on verra bien. Donc ça, cet iPhone devrait être annoncé dans les minutes qui viennent. Hein. On va voir sans doute la bonne nouvelle dans quelques minutes. Et puis, on peut s'attendre aussi, Jean-Sébastien, Christopher, à un nouvel iPad. Aussi, qui serait un iPad Pro avec une diagonale d'iPad Air 2 actuel, dans environ 10 pouces. Donc avec un petit peu les bénéfices de l'iPad Pro, notamment en termes de son, avec les 4 haut-parleurs de chaque côté, à chaque coin presque. Stylé. Donc, le stylet, certainement. Voilà, donc on va voir là aussi comment va s'articuler la gamme avec la sortie de ce modèle. Est-ce que l'iPad Air 2 va rester dans la gamme et descendre un peu en prix, ou va disparaître, et est-ce qu'il y a un autre iPad? Enfin, on va voir, mais... Mais on a l'impression que c'est un peu ça, hein, qu'Apple est en train de faire, c'est du fine-tuning pour mettre en place sa gamme. D'autant plus que là, il y a des annonces, mais on sait très bien qu'il y en aura d'autres en septembre, à la rentrée, où là, on aura probablement l'iPhone 7. Et l'iPhone qui va être annoncé aujourd'hui, finalement, il faut qu'il soit bien positionné par rapport au futur iPhone 7, que nous, on ne connaît pas, mais qu'eux connaissent déjà. Donc, Oui, il ne va pas leur voler la vedette, je pense, à l'iPhone. Et donc, en termes de spec, en termes de prix, on sent qu'ils ont dû ajuster le truc au millimètre près, hein, d'un point de vue marketing. On leur fait confiance. Mais oui, parce que c'est vrai qu'Apple a mis quand même pas mal de temps à arriver sur les smartphones avec de grands écrans. Hein. Ah oui, rappelez-vous, c'était quoi? Il y a deux ans, dans un an et demi, c'était avec l'iPhone 6. C'était fin 2014, pas mal de résistance. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était en 2014, alors que bon, chez Samsung, il y avait des écrans depuis 4 pouces, depuis des années et des années. Mais malgré tout, ils ont peut-être oublié que certaines personnes voulaient un petit iPhone, voilà, qui tient dans la main. Oui, et puis surtout, il faut se rendre compte aussi qu'Apple est en train de non pas de perdre des parts de marché, mais en tout cas de pas réussir ses objectifs de vente en Asie. Les ventes ralentissent, oui. Voilà, en proposant une alternative à un iPhone trop cher, donc en proposant un iPhone de 4 pouces, somme toute relativement, avec un prix relativement abordable de 500-600 $, bah peut-être que ça permettrait à Apple de regagner des parts de marché en Asie. Et c'est paradoxal parce que l'iPhone 6 avec l'écran de 4.7 et le 6S Plus, enfin ou 6 Plus avec l'écran 5.5, c'était aussi quelque chose pour toucher l'Asie, puisque on sait qu'en Asie ils sont très friands de ce genre de phablettes, ils adorent les grands écrans. Donc, on a une question, est-ce que vous pensez à un casque virtuel juste, et puis sinon Alors le casque virtuel, moi j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout. Moi non plus. Non. Jean-Sébastien. Voilà, ça c'est fait, merci. Petit dédicace à Dave qui nous dit coucou, est-ce que je peux avoir une dédicace? Ben voilà, Dave, c'est fait. Dédicace, c'est parti. Et puis là, ils passent à la Watch. Ils viennent de passer à la Watch. Donc à la Watch. Nous parle de Watch. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir concernant la Watch? Ce serait la montre qui se serait le plus vendue dans le monde. Alors, une surprise. Hein. Incroyable. Ah non, mais alors Apple ça, ne nous apprend pas grand-chose. Les amis, la montre connectée, bien sûr. On salue aussi Arnaud qui vient nous rejoindre. Voilà, merci, vous êtes très nombreux à nous rejoindre en ce moment. Et vous faites bien, ZeroNet TV en direct, 18h26 pour cette keynote Apple. Pour l'instant, rien de trop, on va dire, croustillant à se mettre sous la dent. Hein. On commence tranquillement. Hein.
Là, on parle d'Apple Watch. Oui, il va y avoir certainement une annonce produit, manifestement. Pour le... Alors, des nouvelles couleurs, des nouvelles couleurs pour les bracelets en cuir. Des nouvelles couleurs pour les Apple Watch. Ouais. Le bracelet milanais serait disponible en noir. Ce sont des bracelets qui n'existaient pas. Un peu moins bling-bling. Alors ça, on s'y attendait un peu. Effectivement, oui. On pensait des nouveaux bracelets en nylon aussi, visiblement. Ouais. Bon. On est dans le fashion, là. Ouais. De toute façon, la watch de l'année. Apparemment, un tiers des utilisateurs d'Apple Watch changent de bracelet régulièrement. Ah, je croyais que tu allais dire autre chose. Change de je sais pas quoi. Change de femme. On parlait de ils fashion. Ils ont fait une étude très poussée. La stat improbable. Tu sais, type qui balance ça d'un coup. Tu sais. Oui, un tiers des utilisateurs de la montre qui va ça, c'est intéressant. À $299. Donc, combien 299$ entrée de gamme, donc 100$ de moins. Que... On a nos indices sur les chiffres de vente de l'Apple Watch. C'est alors attendez, j'ai pas saisi qu'est-ce que tu as dit, Jean-Sébastien. La montre, l'entrée de gamme de l'Apple Watch baisse de $400 à $300. Elle perd 2. Elle perd $100. Elle perd $100. Elle passe de 3,99 à 2,99. Ouais. Voilà. Ah ouais. Alors bon, alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un autre modèle haut de gamme là qui arrive dans quelques secondes, ou est-ce que c'est le fait qu'ils en vendent peut-être pas beaucoup et se disent j'ai ma petite idée sur la question. Ah, bah on passe à l'Apple TV, donc il n'y a pas d'autres annonces. Mais 2,99 c'est quand même assez intéressant. Et c'est fini pour l'Apple Watch. Donc c'est la news Apple Watch, c'est le baisse de prix, nouveau bracelet, baisse de prix. Vous venez nous rejoindre 100$, mais 100, on imagine aussi 100€ de moins sur l'Apple Watch d'entrée de gamme qui était avant à 3,99. Elle passe à 2,99. 100$ de moins, ça fait quoi, 20€ de moins en France? Ça va être ça. Ouais. Taxes, ça non mais comment on peut analyser ça, les amis? Soit on peut se dire, bah voilà, technologiquement c'est une montre qui a un an minimum, donc elle est moins chère à fabriquer, donc il répercute cette baisse de coût de fabrication pour le grand public. Ça c'est la première version ça, des choses. C'est l'explication logique, mais ou parce que ça marche pas et parce que ils veulent donner un coup de, on va dire, c'est possible, voilà, coup de cravache. Pour booster les ventes de l'Apple Watch. Le fait de donner cette annonce, enfin de faire cette annonce et de ne pas annoncer d'autres modèles derrière qui est peut-être un peu plus haut de gamme, effectivement, ça donne l'impression que la montre est un peu bradée, on va dire. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point. Il faut voir comment. Ou alors ils s'adaptent aussi à la concurrence, avec des prix qui, chez d'autres marques, certaines montres Android. Ouais. Je ne suis pas sûr que la nouvelle fasse plaisir aux personnes qui avaient acheté l'Apple Watch à sa sortie. Ouais, ça, c'est hein, on en revient toujours à la même chose. Ça fait un an. Ça fait. Oui, mais une baisse de prix sur un produit similaire qui n'a peut-être pas évolué. Donc, peut-être par effet de gamme, on pourrait se dire, voilà, il y a un nouveau modèle qui sort, donc l'ancien baisse de prix. Là, il n'y a pas de nouveau modèle jusqu'à présent. Non, non, non. Donc c'est un peu c'est en cela que c'est un peu plus compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'en baissant le prix, Apple nous dit clairement qu'il n'y aura pas de nouveau modèle d'Apple Watch d'ici un bon moment? C'est vrai. Ou est-ce qu'il prépare la suite en disant, ben voilà, on baisse de 100$ pour préparer le terrain pour une nouvelle Apple Watch qui coûtera plus cher parce qu'elle sera plus performante, etc. C'est compliqué l'Apple Watch quand même. C'est compliqué pour parce que c'est un marché quand même très différent d'un iPhone. Et puis vous avez d'un des modèles à $10,000. Enfin. Voilà, quand on achète une telle montre à un tel prix, on a envie de la garder un peu plus longtemps. Bien sûr, évidemment. Pas envie qu'elle soit dépassée au bout d'un an, quoi, comme un iPhone. Donc, en tout cas, si ça peut aider la montre à être un peu plus populaire et aider en tout cas les développeurs à créer des applications un peu plus sympas et originales que ce qu'on trouve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pense, Jérôme, toi qui es fan de l'Apple Watch? J'en pense que tout était prévu, vous n'avez rien compris. C'était prévu depuis le premier jour. Ça, c'est sûr. Ils avaient décidé qu'au bout d'un an, ils baisseraient le prix pour que, une fois la première vague des early adopters passée, on puisse donner accès à une nouvelle vague de clients. Voilà. À mon avis. C'est possible aussi. Bon, on est passé à l'Apple TV en tout cas. Ah, l'Apple TV. 5000 applications disponibles sur le store de l'Apple TV. C'est beaucoup. Ouais. Sachant que qui les télécharge? Non, mais c'est intéressant parce que ça fait pas longtemps que l'application, que la nouvelle Apple TV est disponible et qu'elle peut accepter des applications tierces. Et je vois, surprise, que BFM TV est à l'honneur durant la keynote. Exactement. Il y a le petit logo de l'appli Apple TV, BFM TV qui fait partie du même groupe que 01net. Hein, exactement. Et qui permet de, dans l'appli où vous regardez 01net TV. On a 01net TV. Donc, tiens, d'ailleurs, on en profite. Si vous avez une Apple TV, vous téléchargez l'appli donc BFM TV et vous verrez quand vous cliquez sur l'appli, vous avez le logo 01net TV. Alors, vous ne pouvez pas retrouver aujourd'hui les lives, hein, mais tous les replays, toutes les vidéos qu'on poste sur 01net TV sont disponibles sur l'Apple TV. Donc. Ah, les amis, on passe à l'iPhone. Attention, attention. Là, c'est chaud bouillant. Bon, moi, j'ai dit 5,99. Hein, oui. Bon, écoute, on verra. On va voir. Hein.
Ils ont vendu 30 millions d'iPhone 4 pouces en 2015, Apple. 30 millions hein, d'iPhone 4 pouces. On va repartir sur du 4 pouces, forcément. Donc c'était ou de l'iPhone 5C ou de l'iPhone 5S. Bah, le 5C n'était plus au catalogue hein, en 2015. Ah oui. Mais il en reste encore, moi je vois, il y a plein, alors je sais pas comment ça se passe, mais il y a encore plein de promos, je vois sur des sites, des iPhone 5C, mais même, enfin voilà, mais même refurb ou voilà, fin de stock, etc. Ouais. D'ailleurs, on peut faire de bonnes affaires, hein, parce qu'un iPhone 5C, c'est un bon téléphone, oui, bien sûr. Avec un bon capteur photo, etc., on en trouve à moins de 200 euros. Hein, ouais, c'est une bonne affaire. Bon, il faut éviter le modèle 8Go. D'ailleurs, j'espère qu'on va pas avoir encore des modèles 8Go ou 16Go, enfin 16Go à mon avis, on pourra pas passer à côté. Hein. Mais j'espère qu'ils vont pas nous sortir ce nouvel iPhone 4 pouces avec seulement 8Go de stockage, parce que là, franchement, je m'en vais. Alors c'est confirmé, hein, donc c'est confirmé, c'est bien l'iPhone SE. Ça y est. Voilà, on a déjà son nom. On a un petit peu de décalage, nous, hein, par rapport aux informations que tu... Ouais. Parce que toi, tu es carrément branché à l'oreille de Tim Cook. Oui, exactement. Christopher, rappelons-le. Donc ça y est, c'est l'iPhone SE. iPhone hein. SE, on n'a pas, on sait pas encore ce qu'il a dans le ventre, sous le capot. Voilà, en tout cas, il ressemble exactement à l'iPhone 5S. Ah, c'est le même que l'iPhone 5S. Il n'a pas été relooké. Même pas. Alors, il faut prononcer SA. 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 Bon, on va bientôt le voir, je pense. Le voilà. Alors, attendez. Déjà, il arrive en rose. Oui, donc, c'est vraiment l'iPhone 5S. C'est exactement le même. Voilà. Aucune modification. En tout cas, de l'extérieur. Cosmétique. Du look. Voilà, donc c'est le plus puissant des iPhone 4 Plus jamais construit. Logique. Voilà. Il est incroyablement puissant. 44%. Il est 1,8 fois plus autonome que le précédent. Je cite. Il a un processeur. Ouais. Incroyable. Bon, et puis c'est donc le processeur 64 à 9. Processeur à 9. Ouais. Donc belle bête, en fait. Belle bête. Exactement. Hein. Donc performant a priori. Voilà, la même performance que l'iPhone 6S. Que le 6S. Parce que c'est le capteur photo. Il s'embête pas trop avec les graphiques. Voilà. Et donc il est deux fois plus puissant que l'iPhone 5S. Voilà, GPU performance, d'accord. Donc là, oui. C'est un 6S en petit, quoi. Voilà, c'est un petit 6S. Bon, on n'a pas encore dit ce qu'il y avait comme capteur photo, par exemple, ça serait intéressant. Ouais, encore. Je pense que ça n'a pas tardé. Hein. Ouais. 12 mégapixels. Bah, c'est le même, alors. C'est vrai ? Ça y est, c'est tombé, 12 mégas ? Ouais. On m'insulte en régie. C'est vrai ? Parce que j'ai les infos avant. Ouais. C'est pas sympa. Ok, je les donnerai demain. Donc là, il y a une démo Siri. Parce que, bon alors, mais déjà, sur le 5S, il y avait Siri. Donc là, j'imagine qu'avec le nouveau processeur, il suffit de dire 10 Siri pour que, voilà, ça se... Comme sur le 6S, il doit y avoir toujours en alerte le Siri. Alors ça, voilà, là maintenant, on parle d'autonomie. Enfin, on en a parlé beaucoup trop vite, visiblement, puisqu'on n'a pas eu le temps de... J'ai dit 10 Siri et j'ai mon iPhone qui s'est réveillé. Alors, 12 mégapixels, focus pixel. Il y a le flash... C'est la qualité photo de l'iPhone 6S. Des panoramas de 63 mégapixels. Voilà, c'est la même chose. Avec les live photos, vous savez, c'est ça sert à rien là. Donc, ça veut dire qu'il c'est exactement touch, ça. Aussi. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il a le force touch aussi a priori, parce que le live photo on le provoque en laissant appuyer son doigt un peu plus fort. Ouais. Ah bah, c'est le voir pas tout de suite. Une fonction accessible manuellement. Non, puisqu'il est compatible qu'avec les 6S. Ah bon. Il me semblait qu'il y avait une petite icône à activer pour live photo. Oui, mais pour les visionner, il faut laisser appuyer. Ah oui, t'as raison. Oui, c'est vrai. Il faut appuyer fort sur l'écran. C'est vrai. Le 3D Touch. Bon, on sent que c'est pas une grande salle de concert. Hein. Quand ils applaudissent, non, ça fait un peu genre kermesse, tu sais, quand tu vas... Ah bah oui, mais là c'est intime, ils sont chez eux, c'est une petite salle, petite... C'est intime, Cook. Façon de parler. Intime, Cook. C'est intime, Cook, d'accord. Non, moi je vais pas tarder. Elle est pour moi, celle-là, je vous l'offre. Je vous l'offre sur un plateau, ça me fait plaisir. Ouais. Réagissez aux blagues de Jérôme Colombin, parce que c'est Jérôme Colombin qui vient de le faire, c'est pas moi. C'est moi qui lui ai sur Twitter, écrit, hashtag 01live, hein, bien sûr. 4K, par contre, là on voilà, comme l'iPhone 6S, donc 4G jusqu'à 150 mégas, 50% plus puissant, le Wi-Fi AC. J'ai l'impression que c'est pas forcément les dernières puces réseau, parce que je crois que le Wi-Fi
de l'iPhone 6S monte beaucoup plus que 433 mégabits seconde. Donc peut-être qu'ils n'ont pas mis la dernière puce qu'il y avait sur l'iPhone 6S à vérifier. Peut-être pour des questions de consommation, justement. Consommation et surtout de, que vient d'évoquer, de coût aussi, de coût aussi, oui. NFC, puisqu'on voit qu'il y a Apple Pay. Alors NFC à la sauce Apple. Hein. Voilà. Oui, du NFC verrouillé. Quoi. Pas NFC verrouillé. Je tiens quand même à vous rappeler que Stéphane Richard, le patron d'Orange, ici même sur 01net TV, la semaine dernière durant le show Hello, nous a annoncé que l'appli Orange Cash qui fonctionne avec NFC arrive sur Apple, sur iOS, dans les semaines qui viennent. Oui, mais ils ont dû passer un accord technologique, je pense. Oui. C'est pas disponible via le SDK, hein, il me semble. Dernière nouvelle. Mais vous savez qu'il y avait, une grosse bataille entre Stéphane Richard et Tim Cook, puisque Stéphane Richard voulait savoir pourquoi l'appli Orange Cash qui permet de payer, c'est l'appli de paiement d'Orange, n'était pas disponible sur iPhone. Mm. Et visiblement, ça va arriver. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah, la bonne. Non, la mauvaise. Ah. La mauvaise. La mauvaise, il y a une version 16 gigas. D'accord. La ouais. bonne, c'est qu'il démarre à 399. 399 ? Non, 16 gigas. En 16 gigas. 399 $, hein, donc on est assez... oui, bon, c'est... généralement, c'est... on a juste à mettre un attendez, sigle euro. Je crois que c'est la première fois. C'est pas cher. Je crois que c'est... C'est pas cher, mais c'est 16 gigas. Non, mais attendez, encore une fois, oui, c'est 3,99, mais est-ce que c'est pas subventionné? Parce qu'avec Apple, je pense pas, parce que il y a une version... Est-ce que là, il n'y a pas de la subvention derrière? Il y a une version 64 gigas à $499. Tu disais quoi, toi, François, tout à l'heure? 5,99. Alors non, donc c'est bien 3,99. Ouais. Je crois bien, avoir compris 3,99 ouais. sans subvention. Mais à vérifier là, les amis, je suis pas sûr. Oui, parce que là, ils ont communiqué sur gratuit avec, avec abonnement. Donc, Oui, mais c'est l'abonnement Apple, tu sais. C'est le, ils ont lancé maintenant un nouveau système où tu peux acheter ton iPhone. Mmh. Enfin, tu peux louer ton iPhone. Oui, mais, c'est du leasing ouais. pratiquement. Disponible. Donc le 31 mars, précommande ouais. le 24 et il arrive en France, bien sûr. Donc dans 10 jours. Dans 110 pays, à la fin mai. On a parlé de la vidéo 4K ? Oui, on a parlé de la vidéo 4K. Le 24 mai ? J'en profite vite fait pour vous rappeler que ce soir, dans ce live, on vous offre une tablette qui est l'un de nos coups de cœur, hein, Christopher, on peut le dire. C'est vrai. Une tablette Android. Là, on quitte l'univers Apple. Il n'y a pas qu'Apple dans la vie. Il y a d'autres produits sympas. Et notamment cette Lenovo Yoga Tab Pro, puisque c'est la version Pro qu'on vous offre, qui est équipée, regardez bien, d'un petit projecteur vidéo. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que vous allez pouvoir projeter les vidéos de l'écran de cette tablette directement sur un mur, sur un petit... comment dirais-je, un petit écran. C'est génial pour regarder des vidéos sur YouTube, sur Netflix. Voilà, avec un écran donc QHD. Il est compatible Dolby aussi. Elle est compatible Dolby aussi, cette tablette. C'est un très joli cadeau qu'on vous offre avec un son JBL en plus. Donc c'est pas mal. Hein. Et cette tablette, nous vous l'offrons dès maintenant. Vous allez sur www.01net.com, hein, Christopher. C'est ça. Comme ça que ça marche. Hein. C'est ça. Voilà. Donc on vous donne le lien vers le formulaire du jeu concours. Une petite question, très simple, trois choix possibles. Vous rentrez, vous remplissez le formulaire et vous participez au jeu concours. La bonne nouvelle, c'est que je vous donnerai le nom du gagnant de la première tablette à la fin de ce live. Donc allez-y, c'est maintenant qu'il faut jouer à la fin de ce live. Eh bien, je vous donnerai le nom du gagnant de la première tablette, puisqu'il y en aura tout au long de la semaine à gagner aussi. Il y en aura quatre autres à faire gagner la semaine prochaine. Voilà, pour cette Yoga Tab Pro, la version avec Pico Projecteur, c'est un cadeau de pratiquement 500 €. Hein, c'est un joli cadeau. Bah, c'est le prix. Hein. Voilà. Bon, 499 €. Alors peut-être que sur le web, on la trouve un petit peu moins cher comme toujours, ouais, mais bon, en tout cas, prix public, c'est pas mal. C'est celui qu'on a trouvé. Et Thomas nous a rejoint. Thomas, je suis de retour. Qui scrute les réseaux sociaux pour nous. Exactement. Alors les tweetos rient jaune, hein, entre tout à l'heure avec Apple et l'écologie, oui. Autant dire que ça les a fait beaucoup rigoler. On a eu beaucoup de vannes sur Apple et l'écologie. Et en parlant de vannes d'ailleurs, François, oui. hein, votre fameuse vanne sur Tim Cook a suscité des vocations. Je ne m'en souviens plus. Oh my god. On nous a demandé ce que Tim Cook allait nous cuisiner. Voilà, c'était... Ah, ce que Tim Cook allait nous cuisiner, bravo. Je pense qu'il y a du challenge entre vous. Ah ouais, faudrait ça faire c'est... Un concours, non, parce mais que là, j'arrive pas quand on met la barre haute comme ça, c'est normal. Après, on ne s'arrête plus. Et après, au niveau de l'iPhone, alors si le prix a quand même fait remonter les réactions positives, au niveau du design, on a beaucoup, beaucoup de déceptions. On a, niveau design, Apple se fout de la gueule du monde. L'iPhone SE est en fait un iPhone 5S sorti en septembre 2013. On en a même un qui nous dit « Oh l'arnaque, je suis déçu ».
Lui, il n'est pas content. Ouais. Et puis on a JD qui nous dit nos enfants dans 10 ans achèteront un iPhone qui aura le même design que nous aujourd'hui. Ils sont en vacances, ces designers. Voilà, bah, ça fera plaisir à John Hive. C'est le changement dans la continuité. J'adore cette phrase. J'adore ce truc. C'est le changement dans la continuité, les amis. C'est beau. Bon, ouais, si on peut voir un petit côté positif, c'est que tous les accessoires a priori de l'iPhone 5 S pourront, enfin les coques, etc., pourront être seront compatibles avec l'iPhone 5 SE. J'ai pas d'autres arguments. Désolé. Non, mais c'est pas mal. Hein, ça regardise pas les autres comme ça. Donc voilà, cet iPhone SE, tout avait filtré avant. Hein, on savait prou. Hein, Jean-Sébastien, tout hein, sur cet iPhone. Oui, il n'y a pas de vraie surprise de ce côté-là, effectivement. Voilà. C'est ce qu'on avait dit jusqu'à présent, enfin toutes les rumeurs qu'on avait vues, le même design. Juste une chose, 3D Touch, j'ai pas l'impression qu'il soit compatible 3D Touch, cet iPhone 4 pouces. 3D Touch n'a pas du tout été évoqué. Donc à mon avis, il n'y a pas 3D Touch, je pense. Il l'aurait dit, je pense. Alors comment on va fonctionner Live Photo? C'est étonnant, le Live Photo sans 3D Touch. Hein Jean-Sébastien? Hein Jean-Sébastien? C'est malin ça. Hein, pas de Live Photo sans 3D Touch. Hein, comment on va faire? 3,99 pour le 16Go, 4,99 pour 64Go, des prix jamais atteints pour un iPhone, les amis. $399 pour un iPhone, ça n'est jamais arrivé. Non, jamais, vraiment. Ça a pu arriver sur les baisses de prix des anciennes gammes, mais voilà. Pas pour un nouveau produit. iPhone, c'est ça jamais. Et on voit que la concurrence chinoise est là. Hein. Voilà. Mmh. Et bien, peut-être qu'on peut évoquer pour la première fois un smartphone low cost à 399, d'accord. Mais pour Apple, c'est du low cost. Hein. Mais c'est peut-être aussi pour ça que le design est le même, puisque ça permet de faire des économies sur les recherches en design. Tout à fait. Simplement. Donc on ressort même coque avec les mêmes moules. Donc on a les coûts de. Je suis curieux de voir les résultats du. Du labo de 01net.com sur l'autonomie, en tout cas. Oui, moi, cette histoire de batterie, ça me. Oui, c'est vrai que la batterie s'est vite passée là. Faut voir, on n'a pas trop vu les dimensions. Est-ce qu'il est un peu plus épais peut-être que l'iPhone 5S, donc la batterie serait peut-être un peu plus grande. A voir, je ne sais pas si. Zé Angelo nous dit sur Twitter pour 400€ tu as mieux, puisque pour 400€ tu as un bon OnePlus 2 par exemple avec 64Go de mémoire. C'est vrai. C'est plus grand, plus grand, plus grand, mais. Oui. Oui, mais là, je vous rappelle que c'est un produit qui s'adresse aux gens qui veulent rester sous iOS. Hein, donc ça n'a pas lieu d'être. Oui, oui, oui. Voilà, oui. Le but non, mais du on jeu, compare c'est... simplement par rapport à ce que fait la concurrence. Si on parle que de hardware, oui, c'est sûr. Je suis d'accord. Après, évidemment, si on... voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Il y a eu un point quand même sur iOS 9.3 qui sera disponible là dès ce soir. Oui, donc nouvelle mise à jour qui apporte des choses intéressantes. Avec ou pas, des choses intéressantes, il y a la fonction de nuit, c'est-à-dire que l'écran, voilà, on l'a vu dans la bêta qui tourne depuis quelques semaines, c'est-à-dire que l'écran devient, il n'y a plus les couleurs bleutées qui empêchent. Cette fameuse lumière bleue empêcherait de s'endormir, on va dire, sereinement. Donc il y a un mode nuit qu'on peut activer, puis il y a aussi une protection de l'application de notes par mot de passe ou empreinte digitale qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc c'est des choses. Ça, juste petite précision sur cette fameuse lumière bleue. Sachez que si vous avez un smartphone Android, il existe des applications très performantes qui vous permettent d'annuler les effets de cette lumière bleue sur PC pour ou sur la nuit. Donc voilà, il suffit d'activer ce mode avant de vous coucher. Et normalement, vous devriez mieux dormir. Dès que la luminosité se fait plus faible, en soirée, utilisez ce mode-là. Et ça permet au corps de commencer à se mettre en mode dodo. Nuit. Moi, j'aimerais bien que vous réagissiez sur Twitter et que vous nous disiez si, oui ou non, vous êtes prêt à investir. Alors, 399, 499€ ou dollars dans ce nouvel iPhone. Est-ce que vous êtes prêt à investir autant dans un iPhone de petite taille, hein, c'est un 4 pouces. Est-ce que vous préférez cet iPhone 4 pouces ou le 4,7 ou le 5,5 avec l'iPhone 6S Plus? Dites-le nous, envoyez-nous un petit tweet, hashtag 01live toujours, hashtag 01live. Alors là, on est parti sur l'iPad. Ah. On l'attendait. Et voilà. Et donc, il y a des choses qui se préparent. Donc, iPad Pro et voici le nouvel iPad Pro. C'est ça, c'est confirmé. Voilà, iPad Pro 9,7 pouces. Donc, c'est ce que. La taille la plus populaire, dit Apple. Alors, comment faire la différence maintenant entre un iPad Air et un iPad 9,7 pouces et un iPad Pro 9,7 pouces? Les haut-parleurs, l'utilisation du stylet, la puissance. Je pense que ça va être les trois choses qui vont distinguer l'iPad Pro à l'iPad Air 2 ou 3. Est-ce qu'il sera aussi fin que l'iPad Air 3? Parce que... Ouais,
Alors Yannick, il nous dit, on garde la prise casque sur cet iPhone 5S. Oui, bien sûr. Oui, oui c'est vrai, c'est une bonne question. Il y a la prise jack qui est toujours là. Rappelons que c'est vrai qu'il y a une rumeur persistante qui stipule que ben voilà, le prochain iPhone 7 pourrait ne plus avoir de prise jack. Il n'y aurait plus qu'un port Lightning sur lequel on brancherait tout, en fait, même le casque. Voilà. Ça sera l'iPhone 7. Ça sera pour la rentrée, voilà. Ça sera pour l'iPhone 7, visiblement, probablement. Bon, Phil Schiller fait une comparaison que je trouve un peu bancale. Il parle de 200 millions d'iPad 9,7 pouces vendus depuis les premiers modèles et il met ça en perspective avec les 600 millions seulement de PC vendus ces 5 dernières années. Ouais. Bon. C'est un peu capillotracté, comme on dit. Ouais. Il vise clairement les clients Windows avec cet iPad là. Alors que, bon, on a fait un fight avec Jérôme là-dessus. Hein. iPad Pro contre tablette Surface Pro 4. Ouais. Une semaine d'ITT d'ailleurs, pour chacun à sortir. Oui, on a eu, oui. Bah oui, on était tous jeu et tout, on s'est frappé. Mais c'est vrai qu'après, il y a quand même de grosses différences entre un iPad Pro, même si c'est une super machine, et un vrai PC, une Surface Pro. Hein. N'est-ce pas Jérôme ? T'es bien silencieux là. Écoute, non, j'écoute, je bois tes paroles, mais qui me passent un peu au-dessus. Hein. J'essaye de suivre également ce que dit Steve Schiller et comme disait Jean-Sébastien, Phil Schiller. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Steve pourtant. Visiblement, ils visent clairement les utilisateurs de PC. Hein. Ils veulent aller, ils font de l'œil aux utilisateurs de PC. Ouais, mais avec un iPad, je comprends avec pas. Avec un iPad, tu peux pas faire de l'œil à un utilisateur de PC. Ouais, mais maintenant, les PC deviennent hybrides, tablettes. Du coup, peut-être que les gens T'as pas la productivité. Alors, tout à fait, mais c'est vrai que peut-être vu de l'extérieur, les gens se disent, oh bah c'est un peu pareil au final. Donc si j'achète un iPad avec un clavier, peut-être que ça peut remplacer. Phil Schiller répond à ça. Justement, on a 1 million d'applications iPad. Oui. Mais est-ce que pour autant c'est suffisant? Surtout avec 16 gigas de stockage dans les versions de base. Ouais. Le cloud, les amis, le cloud. Sur Twitter, vous êtes... ça se déchaîne concernant cette taille de l'iPhone. Je préfère mettre plus cher à l'achat d'un iPhone qui renouvelle les specs, mais aussi pour le design. Cet iPhone SE, c'est de l'arnaque, nous dit Flash 22. Damien nous dit, la bonne idée, c'est de renouveler un format 4 pouces. Je veux un téléphone, pas une tablette. Donc voilà, on voit que... Il y a les pour et les contre concernant les petits téléphones. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une petite déception sur le design. On se dit un 4 pouces avec le design de l'iPhone 6 ou 6S, ça pourrait être joli aussi. Ouais, après... Ouais. Et au moins, il y aurait une cohérence de design. Ouais, bon, on ne va pas donner des leçons de design à Apple, mais bon... Mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des problématiques industrielles derrière tout ça. Oui, c'est vrai. Je pense que ça revient moins cher à Apple de reprendre le moule de l'iPhone 5S, de mettre les dernières puces dedans, et puis hop là, voilà, vous m'emballez ça, c'est pesé. D'autant que l'iPhone 5S est un beau téléphone, moi franchement... Moi c'est mon préféré. Hein. C'est mon préféré, quoi. Il est tellement beau. C'est celui que je préférais toute la gamme franchement, d'iPhone. C'est vraiment un beau téléphone. Vraiment abouti, et je préfère même la prise en main de celui-ci par rapport au 6, qui est un peu trop rond, et des fois on le trop fin. Exactement. J'adorais vraiment le 5S. Et quand je pense tous ces gens qui mettent des coques horribles sur ces téléphones, c'est alors qu'ils sont tellement beaux. Mais attends, c'est vrai. Et quand ça tombe, tu le sens passer aussi. Hein. Ouais, mais bon, t'as des gars qui passent des années à faire designer un beau téléphone, tu sais, à imaginer le moindre petit micron de design, et puis boum, allez, tu mets une grosse coque là, un truc avec dessus Hello Kitty. Oh non, my god. Mais quelquefois, après, tu le sors de la coque, tu le redécouvres dans toute sa beauté. C'est là, en général, que je commence à avoir peur de Jérôme. Tu rentres le soir, tu te déshabilles, tu effeuilles ton iPhone. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un moment agréable. Bon, alors qu'est-ce que c'est ce truc pro audio là qui vient d'arriver? C'est les haut-parleurs. C'est les haut-parleurs. Moi, je pensais qu'ils allaient sortir des fichiers iRes, mais non. Non, c'est pas du tout ça, les amis. Phil Schiller a beaucoup parlé de l'écran de ce nouvel iPad Pro qui est apparemment traité anti-reflet. Oui, qui a 40% c'est intéressant pour une tablette, c'est vrai. Qui serait 25% plus lumineux. C'est ouais, ça. C'est ça. Et puis la techno True Tone qui permet d'adapter la. True Tone. Bonjour. Ça va. True Tone. Qui permet d'adapter la colorimétrie de l'écran à la colorimétrie ambiante. Ambiante. D'accord.
C'est intéressant. C'est vrai que c'est plus confortable à la consultation. Ça rejoint la fonction que tu évoquais tout à l'heure, Jean-Sébastien, de changement des couleurs le soir, en fait. Oui, parce que c'est ça le principe du changement des couleurs, c'est qu'on va passer sur une dominante orange plutôt que sur une dominante bleue, et du coup c'est moins agressif quand il n'y a pas de luminosité le soir. C'est beau, Jérôme. Ouais. C'est magnifique. Je savais que ça te ferait cet effet-là. Ouais. Donc tu pourras consulter ton iPhone avant de t'endormir, maintenant que la France entière sait que tu te lèves tôt. Tu pourras maintenant t'endormir beaucoup plus tôt grâce à cette lumière orangée sur ton iPhone qui sera comme si ça te berçait. C'est d'ailleurs un problème parce que moi je le consulte avant de m'endormir, comme beaucoup de monde. Et c'est vrai que... Ça te tient éveillé. Oh là là, c'est affreux. Et oui. Après, tu te réveilles la nuit, tu regardes ton iPhone. Vous avez remarqué, hein, Jérôme dort un quart d'heure en ce moment, toutes les nuits. Il a la tête que j'ai. Fatigué. Il a son petit coussin aussi à ses côtés. Il a son petit coussin, mais juste là derrière, il a son petit coussin. Bien sûr. Roulé en boule dans le coin du studio, là. Exactement. Alors évidemment, ce nouvel iPad Pro a aussi son clavier. Hein, comme le premier iPad. D'accord, j'espère qu'ils vont en sortir un AZERTY, ça serait pas mal quand même. Ça serait qu'ils vraiment très, pas très bien. Que, allez, il y a quelques centaines de millions de personnes au monde qui ont besoin d'un clavier AZERTY et non pas forcément QWERTY. Ça serait pas mal chez Apple. Enfin, il serait temps de changer ça. Hein. Ça, c'est assez drôle aussi. Donc évidemment, il a aussi le stylet, l'Apple Pencil, que Phil Schiller présente comme le meilleur accessoire qu'Apple a jamais conçu. Alors en toute modestie. Alors que Steve Jobs, quand il a quand même présenté l'iPhone, disait que le meilleur accessoire jamais conçu, c'était le doigt. Comme quoi. Non mais c'est dingue. Mais c'est pas Apple qui l'a conçu, le doigt. Enfin, aux dernières nouvelles en tout cas. Oui, c'était une boutade. L'Apple Finger. L'Apple Finger. Donc là, manifestement... Lifinger. Bonjour, c'est Lifinger. La configuration de l'iPad Pro est exactement la même que celle que l'iPad Pro 12 pouces qu'on connaît. Donc et donc vraiment, là encore, curieux de voir l'autonomie de cet iPad. Ouais. Est-ce que c'est pas à terme la mort de l'iPad Air traditionnel, ça? Je pense qu'il va rester en entrée de gamme. Enfin, en tout cas, ça va dépendre du prix qu'ils vont donner. Là, ça sera là, en fait l'iPad haut de gamme. Et puis tu vas, tu sais, il y a toujours plusieurs gammes quoi, dans les iPads. Je pense que l'iPad Air, lui, restera, mais... Oui, mais combien de temps? Combien de temps? Est-ce qu'après, il ne va pas disparaître au profit de l'iPad Pro avec le stylet, etc. Pas tout de suite. Thomas qui attend le petit Wahoo, le One More Thing. Vous y croyez, vous, au One More Thing, Jean-Sébastien, Christopher? Pas forcément, ça fait longtemps qu'on n'a plus le droit de One More Thing en keynote. Alors peut-être, One More Thing, je vois toujours pas le rapport avec l'objet de l'invitation sur la loupe, enfin loupe LO2OP, Infinite Loop. C'est seulement une expression. Pourquoi vous avez inventé ce dicton? On sait pas pourquoi nous aussi on l'a pris. Voilà. Caméra avancée, donc je pense qu'on aura la même qualité de la caméra, en tout cas de l'appareil photo, que sur l'iPad Pro, qui est, alors sans être du niveau de l'iPhone 6 et 6S, est quand même de bonne qualité, meilleur en tout cas. Il semblerait que ce soit le même que celui de l'iPhone 6S. Oui, parce qu'il serait capable d'enregistrer de la vidéo en 4K, donc il faut quand même un capteur derrière qui tienne la route. Plus pixel, voilà. Oui, donc en fait, l'appareil photo dépasse de l'époque. Ouais. Hein. Là, c'est l'appareil photo, c'est le même appareil photo qu'il y a sur l'iPhone SE, par exemple, qui a été annoncé. Ça fera plaisir à nos amis japonais qui photographient la Tour Eiffel avec leur iPad. Et bien là, maintenant, ils pourront avoir des photos parfaites. Ça, c'est cool. Ouais, au moins ça, quoi. Moi, je m'en fous. Je fais des photos avec ma Lenovo Yoga Tab Pro. Voilà. Je projette mes photos de vacances. Je projette mes photos de vacances directement à toute ma famille. D'ailleurs, ils m'en veulent. Avec le Pico projecteur de la Lenovo. JD qui vient de m'envoyer un petit SMS qui me dit ça va te plaire, ça, les gens qui prennent des photos avec leur iPad. Il me connaît bien. Il sait très bien ce que j'en pense. Je le garde pour moi. Oh, tu peux le dire, hein. Pourquoi? T'aimes pas ça? Non, je trouve ça ridicule. Ah, écoute, voilà. Oui, je suis d'accord, mais bon. Ouais, mais visualiser, on voit c'est le bien. Top. Ouais. Non, mais des gens dans ma famille le font. Hein. Je vais pas les renier non plus. Mon Dieu. Ouais, c'est horrible. Certainement des gens très bien qui le font, mais bon. Amaury qui dit, moi j'achèterai cet iPhone 5 SE. Donc $599 la version 32 Go. Est-ce qu'il accepte, il achètera encore?
Non, là, c'est la, alors là, c'est l'iPad. Donc 599. Ah oui. La version 32 gigas. Alors regardez, ça va arriver. Le temps que... Voilà, 599, 749. La 128 gigas. Ouais, bon. Le premier prix d'un iPad, c'est combien? C'est 4,99, non, les entrées de gamme, je crois. Je pense, oui, que c'était ça. Ouais. Je parle pas des mini, hein, les mini sont moins chers. Bon. 100 gigas de stockage. 256 gigas. Ah, ouais. Ça, c'est nouveau, ça, oh. Ah, ouais. Ça, c'est pas mal. Du 256 gigas sur un iPad. Ça, c'est pas mal. Ça y était pas sur l'iPad Pro. Oh, je crois pas, mon Jean-Sébastien Zanqui. Donc, c'est 1€ giga chez Apple. Je suis pas sûr. On remarquerait quand même. Je suis pas sûr. Pro. 1€ giga. Alors, Michael Chao, qui n'est pas encore parti. Pardon. C'est lui qui a créé le protocole bonjour, je crois. Pardon. T'es nul aussi, celle-là. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas écouté. Qui a créé le protocole bonjour. Non, je répète. Pour, voilà. Sur Sébastien Yacnou qui tenons la route. J'étais en train de chercher si effectivement l'iPad Pro 256 Go existe. And produce. At the heart of this versatility is its performance. J'ai du mal à trouver l'info. L'iPad Pro. Non, on était qu'en 128 effectivement. 32, voilà. 128. Donc c'est nouveau, hein, 256 Go. Est-ce que ça veut dire que l'iPhone 7 par exemple pourrait avoir 256 Go de stockage? Ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Bon, alors là, c'est voilà, c'est la pub. Ça, c'est toujours formidable. On fait des trucs incroyables. On voit des dinosaures et tout sur l'iPad. Regardez. Moi, je crois que c'est un dinosaure. Je suis pas sûr. On en profite pour faire un big up. On m'associe maintenant aux montres Peeble. Donc sur Twitter, on me parle de. Et bravo parce que c'est une super montre. Et donc continuez à liker les Peeble. Oui, c'est voilà. L'équipe Peeble. C'était France, mon petit passage. C'est l'équipe Peeble. Et bien même pas. Qui te retweet. Et bien même pas. Même pas. Qui t'apprécie beaucoup. Même pas. Juste on parlait de la. J'aime beaucoup leurs produits. Christopher, ouais. On parlait de la Yoga, la tablette avec le Pico projecteur, qui est le coup de cœur de la rédaction qu'on offre. Ce soir. Exactement. Comment la remporter, Christopher? Mais comment la remporter, Christopher? C'est bien simple. Vous rendez sur www.01net.com, votre site d'info et tech préféré. C'est et vrai. Là, sur la home, vous avez un lien, un accès facile au jeu concours. Voilà, c'est très simple. Une question. Oui. Toute simple. Un trois QCM, réponses. Comme on dit. Un QCM, exactement. QCM, voilà. Qui veut dire. Question choix multiple. Bravo. Voilà, vous avez trois choix, donc choix multiple. Vous sélectionnez la bonne réponse, parce que je suis sûr que vous l'avez. Vous remplissez le petit formulaire, vous participez au tirage au sort et François et Jérôme vont dévoiler le nom du gagnant à la fin de cette émission. Et c'est toi, exactement. Tes mains innocentes qui va procéder au tirage au sort. Ouais, exactement. Parce que, en fait, cette tablette, vous allez connaître le nom du gagnant avant la fin de ce live. Donc allez-y, vous pouvez participer. Est-ce que vous savez combien il y a de participants à l'heure actuelle? Ouh là 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 là. Faut pas que ça vous décourage. Hein. Non, mais je sais pas. Moi, je nous sommes à 2130 participants. Eh bien, dis-moi. Il va falloir que tu vous la voulez vraiment cette tablette. Sachez que c'est Jérôme qui en tout cas a créé 2130 mails différents pour essayer de la remporter. Non mais en tout cas c'est vrai qu'il y a on en fait gagner 4 autres la semaine prochaine. Voilà. Donc on vous indiquera aussi la marche à suivre, mais elle sera sensiblement identique. Donc encore 4 tablettes exactement la même à gagner la semaine prochaine. Voilà. Mais donc là vous êtes vraiment des vénards parce que nous on l'adore cette tablette. Oui, parce que bien sûr là vous nous regardez en direct, mais si là, on vous va regardez la garder, en replay, celle-là. Sachez que vous qui nous regardez tout au long de la semaine qui a suivi ce live, vous pouvez jouer sur 01net.com, il y a encore d'autres tablettes à gagner. Je crois qu'ils la reverront jamais celle-ci, les nouveaux. Je sais pas. On va leur voler. Tu crois? On l'a perdu. Ouais, on l'a perdu. C'est parti. Bon, voilà, ça, la pub iPad est finie. JD, tu vois là, c'est ça. Alors l'iPad Pro 9,7 et l'iPad Pro 12,9. Ah, alors voilà, iPad mini 2,69, l'iPad Air 2 reste donc dans la gamme à 3,99, qui est un très bon iPad, hein, l'iPad Air 2, hein. Vraiment, 3,99 c'est pas mal, l'iPad Pro donc à partir de 5,99 et l'iPad Pro grand format 7,99.
Mais il baisse de prix l'iPad Air 2, puisqu'il était à 499 avant. À partir de 499. Il perd 100 euros. Non, 100 il est à 399. Moi, j'adore l'iPad Air 2. Je trouve que c'est une très bonne tablette. Il manque plus que le Pico projecteur. Eh oui, mais ça, c'est plutôt les nouveaux qu'il a. Alors, Tim Cook est remonté sur scène. C'est pour annoncer quoi? Pour dire bye bye? Ça sent la fin, je pense. Ça sent la fin? À moins de faire une transition sur autre chose et un autre intervenant. Je vais vous montrer la voiture connectée Apple. Regardez, elle est là. Ah non, c'est pas ça du tout. Ils sont en train de faire un récap. T'imagines sur un malentendu, c'est la mauvaise slide. La mauvaise slide. Pardon. Qu'est-ce qui m'a mis ça là? À conserver jusqu'en 2022, tu sais. Ah là là, ça serait drôle. Il y a eu quelques fuites sur la voie. Enfin, quelques fuites. C'est toujours l'analyse de Piper Jeffrey qui est très, très proche de. Enfin, qui a toujours des bonnes infos. Il parle d'une sortie en 2022 à un tarif de. $75,000. 75 000 bon. Ouais, ça va. Bien. C'est le prix de Tesla, quoi. Oui, c'est vrai. C'est ça. Hein. Voilà. On joue dans le même cours. Tu peux nous remettre un petit peu les images? J'ai l'impression que là, notre il fait team un petit résumé. Un petit résumé voilà, de ce qui s'est passé. C'est le résumé, vous savez. Previously, Kinect. Moi, j'attends l'Apple Car SE. L'Apple Car SE. Même design, moins cher. Ouais, alors ta blague ne fait rire personne. La ça va. Est en train de s'évanouir. Oui, de rire. Et l'iPad mini va être quand même accessible avec à partir de 269. Mais c'était déjà le cas, je crois. Mais c'est l'iPad mini non Retina, il me semble. Oui. Ah voilà, c'est ça la question. Est-ce que c'est le Retina ou le non Retina? Il était peut-être à partir de 299 auparavant. Il a encore baissé, donc il y a une grosse baisse de prix quand même. Voilà, il parle de nouveau siège. Voilà pourquoi on parlait de loop. Vous voyez au milieu, en fond, à droite. Je serai là. Voici l'entrée de mon parking. Alors ça, c'est la... Non, c'est la nouvelle salle de conférence d'Apple, justement, qui sera accessible par ce toit, par ce dôme. Pour faire le ménage là-dedans. Bon, c'est sûr que ça va être super. Voilà, bon, c'est terminé. Bye-bye, merci beaucoup. Bye-bye et bonne journée. Et voilà. C'est réglé. Petite keynote. Petite keynote, une heure. Bah, c'est ce qu'on avait prévu. Voilà, une grosse heure pour... pour ces annonces. Bon, de toute façon, on s'attendait pas voilà, s'attendait plus que ça. Hein. On se doutait bien qu'on allait avoir un nouvel iPhone 4 pouces plus une mise à jour de l'iPad. Bon. On se fait un petit résumé. Qu'est-ce qu'on se fait là? Un sandwich? Des chips? Moi, j'attends toujours les chips, hein, les amis. Il n'y a rien du tout sur cette table. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'était? On a tout mis dans les tablettes à faire gagner. On a tout mis dans le maquillage. Le budget chips est passé dans le maquillage. C'est pour ça qu'on est aussi beau aujourd'hui. C'est pour ça. C'est bien, ça change. Ça change. Bon, qu'est-ce que vous en pensez alors de cette keynote Apple? Allez-y, hashtag 01 live, on vous attend. Bah nous, on est là. Ça fait plaisir. Non, mais moi, je regarde un peu depuis le début. Tu regardes un peu depuis le début? T'étais avec nous, finalement. Absolument. Ah ouais, je pensais que t'étais sur Netflix, non, mais j'étais là, sur depuis tout à l'heure. J'étais sur 4 trucs en même temps. Homeland. Et je ne suis pas devenu fou, malgré tout. Ah. Mais j'avais du Tim Cook sur deux canaux en décalé. Je vous recommande l'expérience. Ouais, c'est assez éprouvant, mais c'est pas mal. Tim Cook. Ouais. Non, mais en fait, tout ça pour dire que les commentaires sont visiblement assez partagés. Parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a ceux qui disent que c'est nul. Et puis, il y a ceux qui mordent à l'hameçon et qui trouvent ce nouvel iPhone très sympa. Comme on l'a dit, très jolie forme, finalement. Ils n'ont rien de nouveau à prouver par rapport à ça, mais c'est un produit qui, au niveau design, est réussi. Et puis, le prix est super attrayant, hein, super attractif. Le prix, effectivement, c'est quand même pas mal du tout, ça. Bon. Donc voilà, il y a vraiment les deux. Hein. On se fait un petit récapitulatif. Mon petit Jérôme. Voici ce qu'il fallait retenir de la keynote Apple. Alors, on va commencer par un nouvel iPhone. Évidemment, tout avait fuité. Et effectivement, les rumeurs se sont avérées exactes. Apple s'apprête à sortir un nouvel iPhone de 4 pouces. Donc c'est avec, on va dire, le design de l'iPhone 5S. Exactement. Avec à l'intérieur toutes les technologies d'aujourd'hui qu'on peut retrouver sur l'iPhone 6S. Il s'appelle l'iPhone SE. Et il a les mêmes performances, en tout cas, c'est ce qu'annonce Apple, que l'iPhone 6S. Donc, équipé d'un processeur A9. On gagnera, par exemple, le déclenchement de Siri à la voix. Exactement.
nouvel appareil photo, 12 mégapixels, hein, celui qu'on pouvait retrouver dans les iPhone 6S avec l'iPhoto, etc. Dernière puce Wi-Fi AC, dernière puce 4G. Voilà, on se retrouve avec un smartphone qui est sorti il y a 3 ans, qui est remis au goût du jour au niveau technique. Et avec des prix, eh bien, en tout cas les prix en dollars pour commencer, qui vont de 400 $. Alors. Et ça, c'est vraiment le prix le plus bas qu'on ait pu trouver chez Apple dans quasiment toute l'histoire de l'iPhone. C'est vrai, c'est vraiment l'iPhone low cost hein, pour Apple. À 16 Go et une version 64 Go à environ 500 $. On aura Les prix en euros. Justement de l'iPhone SE. Oui, et voici les prix en euros. 489 €. 489 € pour le 16 Go. Pour le 16 Go. Ah ouais, on se prend quand même 100 € dans la vue, hein, avec les taxes et les. Ouais, les taxes et puis maintenant la parité euro-dollar est moins intéressante. Donc alors ça c'est le smartphone nu, bien évidemment, on peut imaginer qu'il se retrouvera à des prix très abordables en subvention. Donc 489, on peut imaginer que le 64 Go soit à 589, quelque chose comme ça, on va rajouter 100 € sans aucun problème. Les précommandes, très vite, et il sort dans les jours qui viennent. Après, 31 mars. Voilà, le 31 mars, il sera disponible. Précommande le 24. Voilà. Précommande le 24, précommande le 24 disponible et 31 le 31 mars. C'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'est pour l'iPhone 5. En fait, il s'appelle l'iPhone SE. Ouais, alors juste pour info, il était gratuit avec abonnement aux États-Unis, en tout cas avec certains opérateurs. Je serais curieux de voir aussi comment les opérateurs en France vont le positionner. Exactement. Parce qu'on parle de 489 €, mais il est fort probable qu'il soit peut-être 1,49 €. Espérons-le. Bon, c'est possible. Deuxième annonce, Jérôme. Eh bien, un iPad Pro comme prévu, un petit iPad Pro, c'est-à-dire qui fait la taille de l'iPad Air actuel, 9,7 pouces, et on retrouve les caractéristiques de l'iPad Pro, donc le stylet, bien entendu. À 100 €. Enfin, c'est jeu. Oui, tu as raison, c'est vrai. Les 4 haut-parleurs dans les coins. Stéréo. Et puis un écran présenté comme plus lumineux, anti-reflet, etc. Et avec, on va dire les derniers raffinements technologiques qu'on pouvait retrouver sur l'iPad Pro grand modèle, processeur A9X, meilleur appareil photo, meilleur puce réseau, etc. Bien évidemment. Appareil photo, on a le 12 mégapixels. 12 mégapixels. Ouais, très bien. 12 mégapixels. Les prix ? Les prix, on commence, je crois, à 599 € pour dollars, pardon, dollar, pour le 32 Go, 749 pour le 128. Et alors, la nouveauté, c'est que cet iPad, donc, avec un écran de 9,7 pouces, cet iPad Pro sera disponible en 256 Go. C'est la première fois qu'Apple propose, on va dire, un e-device avec 256 Go, mis à part, bien évidemment, les Mac et les ordi. Hein. Voilà ce qu'il fallait retenir principalement de cette keynote. Hier soir. Oui. Dernière petite chose, la baisse du prix quand même de l'Apple Watch. Il faut quand même le signaler. L'Apple Watch passe de 399 $ à 299. On voit que Apple veut véritablement faire le forcing concernant cet Apple Watch, l'imposer sur le marché. Et il n'y a pas de secret, pour l'imposer, il faut baisser les prix. Donc on gagne 100 € là-dessus. Hein. 100 $ pour 100 l'instant dollars. Sur on le modèle d'entrée de gamme. Et puis de nouveaux bracelets en nylon, nouvelles couleurs, etc. etc. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette keynote donc de printemps concernant Apple. Évidemment, le prochain rendez-vous, ce sera en septembre avec l'arrivée de l'iPhone 7, de l'hypothétique iPhone 7. Mais on sait que c'est comme ça toujours, bien évidemment. Jérôme, on va terminer ce live avec le tirage au sort maintenant. Alors, on me laisse 2 minutes. Voilà, vous êtes plus de 3000 à avoir joué avec nous ce soir. En direct avec en allant sur le site zeronet.com pour remporter donc cette tablette Lenovo qui a une particularité. Alors vous voyez, vous êtes en train de lire les specs là, elle a un écran Quad HD de plus de 10 pouces, elle a un picoprojecteur intégré, c'est ça qui est étonnant. On l'a testé au labo, on a beaucoup apprécié cette tablette parce que c'est vrai que le fait d'avoir ce petit accessoire supplémentaire vous permet de visualiser tout ce qui s'affiche sur l'écran en projection sur un mur, sur un écran. C'est très sympa, vous baissez la lumière et vous vous retrouvez avec une petite salle de cinéma dans cette tablette qui est très compacte, qui est très sympa, avec un son JBL compatible Dolby Atmos, une autonomie de 9 heures. Ça c'est l'autonomie non pas du constructeur mais l'autonomie du labo 01net. Donc c'est la vraie autonomie, 9 heures, c'est plutôt pas mal. Un cadeau d'une valeur de 499 € qu'on vous invite donc à remporter ce soir. www.zeronet.com, vous aviez un petit formulaire avec une petite question qu'on vous posait toute simple concernant la particularité de cette tablette. Christopher, on y va pour le tirage au sort.
On y va ? Ouais, on y va. Alors attention, roulement de tambour. Qui va remporter cette tablette ? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y en aura d'autres à gagner tout au long de la semaine. Si vous nous regardez en replay, allez-y, continuez. Vous pouvez jouer www.01net.com. Tout au long de la semaine, il y aura une tablette par jour à remporter. Christopher, nous sommes tous pendus à tes lèvres. On y va ? Alors le regagnant de la tablette, c'est Stéphane P. Donc je ne donnerai pas son nom de famille. Stéphane P. Stéphane P. qui vit dans le Puy-de-Dôme à Riom. Oui, voilà. Riom. Riom. Voilà. Riom, c'est plus chantant. Le Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme, pour moi c'est Riom. Voilà. Donc bravo à lui, bravo à Stéphane. Peut-être que Stéphane nous regarde actuellement. Peut-être que Stéphane, tu as joué avec nous là dans les. Il y a quelques minutes, et bien voilà, tu as été tiré au sort. Je pense qu'on a ses coordonnées puisque sur le formulaire, ils sont laissés ses coordonnées, son mail, j'ai son adresse, son numéro de téléphone. Tu vas recevoir d'ici quelques jours son numéro de sécu, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, c'est parfait. Mais ne soyez pas déçus, il y a d'autres tablettes Lenovo à emporter. Donc sur www.01net.com. Allez-y. Très bien. Et bien voilà. Hein. Bon. On l'a dit, on est quand même dans un timing raisonnable, 19h12. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Depuis 18h sur 01net TV, comme chaque fois qu'il se passe un grand événement de ce genre. On est là, toujours, vous le savez, à l'affût de l'actu. Et on remercie Jean-Sébastien Danqui d'avoir Merci été avec beaucoup. Nous pour ses analyses Merci toujours pertinentes. Christopher Siminelli pour... qui n'a pas été mauvais non plus. Pour ses blagues à deux balles. Voilà, pour ses blagues à deux balles. Non. Évidemment pour sa pertinence dans les analyses. Et on se retrouve, Jérôme, jeudi soir pour un 01 Live Hebdo. Bien sûr, comme chaque jeudi soir, chaque jeudi 18h-18h30. Merci également à Jean-David Duarte qui réalisait ce live. Il a été nickel. Avec brio. Voilà. À Pierre Thiolin. Voilà, il s'appelle bien comme ça. Et vas-y Thomas. Remilloré. Bravo pour la première fois, mesdames, messieurs. Merci. Jérôme y est arrivé. Thomas Remilleré. Super. Voilà. Bon, tiens, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à liker notre chaîne YouTube. Voilà, vous êtes plus de 260 000, je crois, à nous suivre. Plein de sur vidéos YouTube. Par jour. Merci de votre fidélité. Et puis, bien évidemment, la primeur de toutes ces vidéos, une seule adresse, www.01nettv.com. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Christopher. Juste quand même, parce que l'événement se continue sur 01net.com. Toutes les infos, tout le décryptage, plein de papiers pour aller un peu plus en profondeur sur toutes les annonces, c'est sur 01net.com. Parce qu'on n'a pas tout dit ce soir durant ce live. Vous savez que là, évidemment, toute la rédaction de 01net est en train de toutes les caractéristiques détailler techniques toutes les complètes, les comparatifs avec les anciens produits. Enfin, ouais. Et puis merci à vous sur Twitter de nous avoir suivis, d'avoir été aussi nombreux à réagir. C'est vraiment très cool. Voilà, on apprécie tous vos messages, même si on n'a pas eu le temps de tous les lire. Bonne soirée à vous tous. Salut à tous, portez-vous bien, à très vite. Et à jeudi.